Le procureur spécial Prelakriev, Ali Touré, a annoncé ce jeudi 28 juillet 2022 l'ouverture d'une information judiciaire contre Jean-Marc Téliano, leader du parti Rassemblement pour le Développement Intégré de Guinée, RDIG. L'ancien ministre de l'Agriculture est accusé d'un détournement présumé de 257 749 955 058 GNF dans l'achat d'engrais, de phytosanitaires, d'équipements, de semences pour la campagne agricole de 2011-2012. Le procureur spécial Prelakriev porte à la connaissance du peuple de Guinée qu'il a été saisi d'un rapport de dénonciation relatif à un détournement scandaleux de plus de 200 milliards GNF contre le nommé Jean-Marc Téliano, à l'époque ministre de l'Agriculture. Il résulte de ce rapport que de 2011 à 2012, le gouvernement de la Guinée a entrepris un vaste programme pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, se matérialisant par l'achat d'engrais, de phytosanitaires, d'équipements, de semences ainsi que des subventions accordées à certains organismes pour un investissement total de 368 967 473 558 GNF, a indiqué le procureur Ali Touré. Après vérification des mouvements sur les comptes des différentes chambres régionales d'agriculture ouverts dans les livres de la BCRG, il n'y a été trouvé que la somme de 111 217 518 500 GNF, soit un gap de 257 749 955 058 de francs guinéens, ajoute le magistrat. Ces faits ainsi relatés sont constitutifs au regard de la loi, des infractions de détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, corruption et complicité, telles que prévues par les dispositions des articles 19, 20, 585 et suivants, 764 et suivants, 776 et suivants du Code pénal, 7, 112. 113 de la loi numéro 2021-0024 emportant lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme et les articles 3,4, 45 de la loi L-2017-041 du 4 juillet 2017 portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées, précise Ali Touré dans un communiqué. Après examen de toutes les pièces du dossier, le parquet spécial de la CRIEF a requis l'ouverture d'une information judiciaire contre Jean-Marc Téliano. J'ai la conscience tranquille. Je suis très ouvert. Vous savez, j'avais dit dès le départ, j'ai été l'un des ministres étant en fonction, écrire une lettre officielle au président de la République, copie au premier ministre, copie à l'époque au ministre du contrôle économique et financier pour que mon département soit audité. Et j'ai été le seul ministre, lors d'une sortie du président de la République à Boké, l'anniversaire de l'indépendance, qui a parlé de surfacturation. Et mieux, pour votre information, dans les conditions normales, il y a eu un comité interministériel qui a été institué au sein du ministère de l'Agriculture pour la gestion de la campagne agricole. Là où j'ai beaucoup été touché, dans les conditions normales, c'est le ministre de tutelle qui devait présider le comité interministériel institué à cet effet. Mais à mon fort étonnement, c'est le ministre du plan d'alors qui était le président de cette commission, qui est aujourd'hui le conseiller du CNRD. Monsieur Cissé, Souleymane Cissé, qui était le président. Le deuxième vice-président était le ministre du contrôle économique et financier. Le troisième vice-président, c'était le ministre des Transports, Tidiane. Le quatrième vice-président, c'était le feu, Mamadou Ba Toto. Je n'étais que membre avec le ministre des Finances. Donc toutes les décisions pour la vente, pour l'achat, la distribution des intrants incombait au président de la commission. Et mieux que ça, on ne peut pas augmenter le prix de l'engrais alors que le prix de l'engrais a été fixé par décret.
du président de la République et la distribution par arrêté de monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Donc c'est un peu, c'est ce qui m'a poussé à organiser une conférence de presse quand, en 2012 pour démentir le président de la République, pour dire ce qu'il avait dit pour l'augmentation du prix des intrants était une contre-vérité. Donc vous ne craignez pas d'être attrapé par la question des engrais? Pas du tout. Moi j'ai dit, même demain il me convoque, je vais venir. Heureusement, moi j'ai des dossiers. Heureusement, j'ai le décret qui a pour la fixation du prix de l'engrais. J'ai l'arrêté de distribution. Et mieux que ça, j'étais ministre, mais ce n'était pas moi qui gérais le département. Il y avait un comité interministériel qui était là à cet effet, qui était géré par Souleymane Cissé, qui est aujourd'hui le conseiller du CNRD. Donc vous ne traînez pas de casseroles, monsieur? Moi, je suis l'un des ministres le plus clean. Je ne peux pas dire d'auditer mon département et craindre. J'ai les copies de mes courriers que j'ai adressés à monsieur le président de la République, avec copie aux différents ministres, le premier ministre, le ministre du contrôle économique et financier, pour au moins venir auditer. Et il y a eu beaucoup de ministres qui avaient eu peur, parce qu'ils pensaient que je voulais créer des problèmes à tous les départements. J'ai dit non, moi j'ai demandé d'auditer mon département parce que j'étais sûr de ma gestion. Donc vous reprochez de rien, de toute mauvaise gestion quand vous étiez ministre de l'Agriculture? Rien et pas du tout. À moins, comme on a toujours des ennemis, qu'on fomente quelque chose, mais on ne peut pas accuser quelqu'un d'une quelconque ou d'un quelconque détournement sans avoir la preuve. Mais moi je suis clair et dans toute ma gestion, toute la ligne. Aujourd'hui la CFE est déterminée à moraliser la vie publique. Beaucoup de gestions antérieures pourraient être passées au scanner. Vous vous dites tenez, vous en tant que ministre d'Alpha Condé, vous vous reprochez de rien, vous avez la conscience tranquille, vous ne traînez aucune... Rien. Oh, pas du tout. Parce que la fixation des prix des engrais, c'est le président de la République. La vente, c'est le président de la République et le Premier ministre, en plus du comité interministériel. J'y suis clean. Je ne traîne aucune casserole. Et si je traîne des casseroles, qu'ils prouvent.